The city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa, I'm waiting for him, but he's nowhere inside. And all of the presents are still by the tree. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. En ce 4 décembre, on se retrouve. On a une petite neige ce matin. Yes, enfin. Je sais pas comment ça a l'air là, pour vous, mais dans mon cas, là, je suis très, très heureuse. Ça a commencé en pluie. Puis là, ben, on a un beau petit tapis blanc là, qui commence. Donc moi, ça me rend bien joyeuse parce que on est comme rendu là. Ce matin, dans le fond, je me suis levée assez tôt. J'ai préparé Clara, elle est allée déjeuner avec son papa, puis un ami à Will, dans le fond, là, ils faisaient leur petite rencontre mensuelle ensemble. Puis c'est ça, Clara, dans le fond, il l'a amenée parce que moi, j'avais un rendez-vous chez le podiatre. Donc, bon, sans rentrer dans les détails, j'avais quelque chose au pied qu'il fallait traiter. Fait que tout va bien, là, tout est correct, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est ça, dans le fond, je suis revenue ici, ma mère est venue nous rejoindre, on s'est pris un café ensemble, puis là, ben, elle s'occupe de Clara rapidement pendant que moi, ben, je prenais le temps de vous parler ce matin avant d'entamer la journée. Quelques affaires à faire aujourd'hui, mais sans plus. Alors, c'est ça, dans le fond, vous savez, nouvelle vidéo, nouveau collaborateur, nouveau prix à gagner aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent. J'ai eu la chance là, de collaborer avec Léa Bégin de Beauty Slab, qui a été très généreuse et qui a embarqué avec moi pour vous gâter, qui vous offre, dans le fond, un soin du dos d'une valeur de 145 $. Donc, c'est un soin vivifiant, relaxant, régénérateur pour le dos. C'est vraiment comme un facial, mais pour le dos, fait qu'un nettoyage en profondeur, massage, masque exfoliant. Ça dure à peu près comme 60 minutes, donc vous pouvez gagner ce soin-là avec la belle Léa. Alors, je vous invite à participer sur Instagram dès maintenant. N'oubliez pas toujours de repérer l'indice, c'est de cette façon-là que vous pouvez participer. Alors, voilà, donc bonne chance à vous. Alors, pour la journée, là, ma mère a un événement ce soir, alors je vais l'aider à se trouver un petit outfit pour faire changement. Sinon, mais ce soir, c'est soirée sushi avec Will, là, donc on va en profiter pour se faire une petite soirée ensemble là, quand la petite va être couchée. Hopefully, tôt. Clara, ces temps-ci, surtout depuis le retour en Floride, c'est comme so-so les dodos. Soit elle dort vraiment bien toute la nuit dans son lit, soit elle se réveille, puis comme... Elle finit par s'endormir rapidement, c'est pas ça, c'est juste que... Elle se réveille, puis elle a comme été habituée pendant 2 semaines avec nous en Floride, là, collée-collée, que là, c'est comme si elle se réveille la nuit dans son lit, puis elle est comme « Attends, wait a minute, j'en sens où mes parents? » Puis elle veut venir nous rejoindre. Souvent, on l'amène avec nous parce que nous autres, ça nous permet de dormir, plutôt que de se battre avec pour la recoucher dans son lit. C'est la façon qu'on fonctionne, puis on est à l'aise avec ça là, depuis tout le temps. Alors voilà, c'est une affaire à deux. Si vous n'étiez pas à l'aise, on changerait ça. Si j'étais pas à l'aise, on changerait ça, mais là... on est bien là-dedans, puis nous autres, de toute façon, on est des colleux, fait qu'on aime ça avoir notre poupoune avec nous. Alors, c'est ça. Donc, je suis vraiment contente, les neiges, vraiment, de plus en plus, là, c'est beau. Ça m'a vraiment manqué. Autant que ça fait du bien, là, le petit 2 semaines avec les palmiers, autant que là, j'étais prête pour ça. Alors, c'est ça. Donc, il est déjà 10h15, là, je vais entamer la journée, parce que moi, je suis du genre, là, je vais déblatérer, là, puis on ne partira jamais. Donc, je vous amène avec nous. Donc on est de retour à la maison, finalement on est allé manger au Nordic Café là, avec ma mère, la petite et Will. Ça a été vraiment un bout de nez, c'était super bon. Et je suis de retour et j'avais envie en fait de vous présenter des idées cadeaux pour vos petits mini de 2 ans et moins. Parce que considérant que Clara a seulement 14 mois, c'est sûr que je me suis vraiment juste procuré des jouets qui étaient un peu plus adaptés à elle.
ou à venir dans l'année qui va suivre. Et c'est tous des cadeaux en fait en bas de 100$. Donc ça donne des idées, faites vite, faites rapidement. Et il ne vous reste vraiment pas grand temps là, par le temps que vous voyez cette vidéo-là. Je sais aussi que la pénurie de jouets cette année, c'est pas évident de se procurer comme tous les jouets que les gens veulent. Des fois, là, il y a beaucoup de jouets populaires là, qui sont comme en out of stock. Vraiment, j'y vais avec mes coups de cœur. D'abord, je voulais vous parler de la compagnie Hilo 307 qui est un distributeur de jouets canadiens. Et ils m'ont envoyé quelques produits de la compagnie Jayco. Donc, je vais vous montrer qu'ils ont offert pour Noël pour Clara. Alors, premièrement, ici, je dirais que c'est pas mal pour tous les âges, mais c'est une boîte à musique. Donc, ayant eu moi-même une boîte à musique quand j'étais petite, que tu peux ouvrir puis placer tes petits trésors, là, je trouve que c'est adorable. Clara est encore petite, mais je trouve que ça va être bien beau dans sa chambre. Sinon, ils ont donné ça ici. Que j'ai déjà enlevé, que j'ai déjà donné à Clara. Elle pointait la boîte, elle voulait absolument que je l'ouvre. Donc, je me suis permis dans tous les jouets qu'elle a reçus d'y faire un cadeau pré-Noël. C'est le Trainimo ici. Je sais que quand j'en ai parlé en story, ça a été vraiment populaire. Dans le fond, là, sur le site internet de Hilo 307 que je vais vous mettre dans la description, vous pouvez voir dans le fond tous les jouets qui sont disponibles. Puis avec le nom, dans le fond, le titre du jouet, vous pouvez le trouver là, sur Google. Jamais ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller comme sur le site internet pour le trouver. Dans le fond, c'est vraiment un petit train pour mettre des animaux. Fait que c'est drôle parce que ma mère, tantôt, elle l'utilisait parce qu'elle dit, il est tellement solide, là, genre elle se promenait et les animaux tombaient pas. Fait que Clara, elle l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est un cadeau qu'elle a déjà eu. Sinon, notre petit Artsy, j'aime beaucoup faire des activités bricolage, peinture, crayon avec Clara. Je trouve que pour son âge, comme elle est vraiment éveillée, elle aime beaucoup ça. Ça, c'est du moins plus, mais avec supervision, je vais l'utiliser quand même avec elle. Dans le fond, c'est des marqueurs mousse. Donc, moi, c'est une affaire que j'ai eue aussi quand j'étais petite. Puis, quand j'ai vu qu'il vendait, là, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Puis, ben, ça se lave super bien. Ça, c'est un autre point important. Et sinon, finalement, on a reçu ici le Felty Mix. Des animaux comme ça avec un lassage là, fait que qu'on peut passer dedans, puis à guess que le lassage, on peut pratiquer à attacher les souliers. Donc c'est sûr que celle-là par contre c'est 2 ans et plus parce que je veux dire lancer les souliers c'est pas vraiment longtemps. Mais je trouvais que tu sais Clara elle aime ça gosser après les épeux, justement les cordons de trucs puis tout ça, fait que ça va l'occuper des fois là. Je trouvais que c'était une belle petite idée. Alors c'est ça, donc comme je vous disais, je vais vous laisser le site internet de Hilo 307 dans la description si jamais vous avez envie d'aller retrouver les mêmes jeux qui sont disponibles à certains endroits, je l'espère pour vous, qui sont encore en stock. Faites rapidement, honnêtement, là, comme je disais, il ne reste pas longtemps. Sinon, ben, on s'en va vers vraiment d'autres produits de la marque Coco Village, une marque que j'aime beaucoup aussi. Dans le fond, c'est toutes des jouets en bois. Je sais qu'ils dessinent aussi des meubles pour enfants, des fournitures scolaires comme des sacs à dos, des boîtes à lunch. J'ai acheté d'ailleurs un petit pot, un potty training pour Clara, que j'ai pas reçu encore, mais que Clara va utiliser un jour. Donc, ceux que j'ai principalement, c'est vraiment des jouets là, pour... des jeux de rôle. Donc ici t'as un petit tasson barista, elle a un panier d'épicerie, elle a un toaster, elle a un petit kit pour se faire un déjeuner, un malaxeur, une machine à faire payer. Ils ont des jouets plus gros aussi, dont la cuisine, ils ont un petit kit pour mécanicien, un petit kit à crème glacée. Écoute, ils ont vraiment toutes les possibilités du monde. C'est ce que je trouve vraiment cute. Là. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Dans mon cas, j'ai vraiment nommé dans ceux qui sont en bas de 100$. Mais ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet que je vous laisse dans la description. Finalement, j'y vais avec une sélection de jouets que j'ai fait chez Toys R Us. Je me suis promenée vraiment beaucoup. Puis vous savez que quand on va là-bas, on sait plus où mettre la tête tellement qu'il y a des jouets partout. J'essaie vraiment d'y aller avec des trucs que Clara aime dans son quotidien. Des trucs aussi qui sont un peu plus éducatifs parfois. Ou des trucs bricolage. Pour parler de bricolage, j'ai acheté les premières pâtes à modeler. Un paquet de 12 petits pots dans le fond. J'ai hâte de voir là, comment qu'elle va... Elle va gérer ça, mais c'est sûr que ça va être encore une fois sur supervision parce que c'est pour les plus grands, c'est 3 ans et plus. Mais c'est sûr qu'elle ne ferait jamais ça toute seule, elle va faire ça avec moi. Puis j'avais envie qu'elle découvre rapidement ce qu'était la pâte à modeler parce que moi, pour y avoir joué vraiment beaucoup quand j'étais petite, j'ai l'impression que comme tous les enfants, elle va aimer ça.
Sinon ici, un casse-tête, on n'en a jamais trop. Clara adore les casse-têtes et j'en ai trouvé un de Coco Melon. Dans le fond, c'est un casse-tête musical, donc j'ai l'impression que quand on bouge peut-être les pièces, ça doit jouer de la musique. Probablement des chansons qu'on connaît de Coco Melon, parce que oui, Clara, c'est Coco Melon, elle aime vraiment beaucoup. Sinon, Clara, grande fan d'animaux, c'est fou. Tu sais, on vient de la Floride, là, puis il y a des chiens partout. J'ai jamais vu un enfant autant comme ressentir de l'émotion comme ça quand elle voit des animaux. Fait que là, tu sais, je voulais pas dépenser pour un gros chien électrique ou rien qu'elle pouvait comme briser facilement. Celui-là, c'est vraiment pour les 3 ans et plus, par contre. Mais je trouvais qu'il était vraiment cute. Ça a vraiment l'air d'un petit puppy. Puis après, vraiment, ça bouge, ça fait aller sa queue, puis tout. Puis il était en spécial à 10$. Donc, j'ai trouvé que ça valait la peine. Sinon, ben, Clara aime beaucoup les livres. C'est fou. J'ai jamais vu un enfant avec autant de livres déjà à son âge. Un peu comme moi. Je suis quelqu'un qui adore lire. Malheureusement, j'y trouve moins le temps ces temps-ci. Mais quand je me lance dans un livre, j'ai de la misère à décrocher. Donc, c'est mon animagier. Fait que j'ai le corps et les formes. Donc, encore une fois, j'essaie toujours d'y aller avec quelque chose d'éducatif. Quelque chose qu'elle n'avait pas. Donc, des parties du corps. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'elle peut déplacer, dans le fond, des petites fenêtres, là, fait que ça fait bouger, mettons, là, ça fait bouger les visages des petits bonhommes, puis tout. Et là, ben ça, c'est les formes. Donc, vraiment, je trouve que c'est cute. Je trouvais que c'était des belles images. Et ils étaient pas chers, ils étaient 12,95 chaque. Puis, sont rigides, chose importante, parce que sinon, Clara, elle brise tous ses livres. Alors, c'est ça pour ma sélection de jouets. C'est les jeux que Clara va recevoir pour Noël, à l'exception de ceux là, que vous avez vus de Gros Village, là, elle les a déjà. Mais pour ce qui est de ceux de Hilo 307 et du Toys R Us, c'est les jeux que je vais envelopper pour elle. Donc, j'ai vraiment essayé d'y aller comme mollo cette année et j'ai toujours de la difficulté quand même. C'est mon premier bébé, puis ben, je suis vraiment énervée par son premier comme vrai Noël ou inconsciente. Fait que là, j'ai essayé d'y aller sans trop acheter. C'est pour ça que j'y étais avec un budget de jouets à 100$ et moins, parce que c'est facile de se lancer rock'n'roll. Alors, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a donné des idées, puis ben, moi je vais retourner voir ma maman et mon petit bébé, regarder la neige tomber, relaxer avant de se faire un sushi night. Donc, Will revient de l'épicerie, il est allé acheter des trucs, trucs nécessaires juste pour le week-end, tu sais, c'est pas la plus grosse épicerie, on a déjà tout là pour les repas puis tout, mais c'est, voyons, j'avais pas accroché la caméra, mais c'est vraiment juste pour compléter le week-end. Donc, il est parti se changer. Vous allez pas le voir. Présentement, il est 5h45. Là, Clara a finalisé son yogourt. Dans sa chaise d'ailleurs, que je me fais souvent demander, c'est laquelle. Donc, elle mange régulièrement dans son... Elle veut pas se faire fumer. Elle mange régulièrement dans son Ingenuity. Non, non, maman, elle ne fume pas. Et ça, c'est la Stooky Click qui a été acheté chez Agatha. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Elle est évolutive. On peut enlever la tablette puis la mettre là, à notre hauteur, là, à la table parfois là, quand on mange le week-end. Elle aime ça être avec nous. Puis, c'est ça, ça s'enlève vraiment facilement. Donc, si jamais quelqu'un vous avait un chalet, vous voulez. Arc! Ça, c'est ça, un bébé. Hein? Mais si vous avez un chalet, si moindrement vous voulez l'amener chez de la visite, ça s'enlève super bien. C'est vraiment comme un système de clic, puis ça se transporte. Vous voyez pas mes yeux hein, quand j'ai mes lunettes. C'est des blue lights, puis c'est ça qui arrive hein, quand je filme. On dirait que vous me voyez jamais avec des lunettes, pourtant j'en porte vraiment souvent, mais je mets mon verre de contact pour filmer parce que sinon, comme on voit juste du bleu au lieu de mes yeux. Alors c'est ça. Donc je vais ranger l'épicerie, puis nous, ben dans le fond, c'était un sushi night, fait que je vais donner le bain à Clara, puis on va se commander ça là, le temps que ça s'en vienne. Elle savait, comme on dirait, qu'on voulait se faire un date night. Hein, Kiki? Fait que là, ben, on y a mis un petit film pendant que nous, on va manger nos sushis tranquilles. Donc, sushis de Sushi Shop. Honnêtement, on commande souvent là, puis on est toujours vraiment satisfait. Donc ça, c'est ceux de Will. Et ça, c'est les miens. Donc, je suis enceinte naturellement, alors c'est vraiment des sushis végés. Aucun fruit de mer ni poisson cru. De toute façon, je suis allergique aux fruits de mer, mais je peux quand même manger poisson... comme le saumon, le thon ou le poisson blanc. Alors, bon appétit, maman. Bon appétit. J'ai faim en fondue, là. Ouais, là, il regarde son blog, il est comme, oh, on est eat. Wow, t'as mis nos plus beaux napperons. Ben, c'est pas trop. On fait ça à votre enquête, c'est correct. On est vendredi soir, on est en pyjama. On est bien, moi, ma douche est prise. J'ai mis mon pyjama vraiment sexy.
Hein? Donc, c'est d'ailleurs de cette façon-là que je vais... c'est moi la musique en background, mais c'est de cette façon que je vais terminer la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, puis on se voit pour la prochaine vidéo demain. Bye!